Salut tout le monde, c'est Kero, j'espère que vous allez bien les amis. Et on se retrouve pour le 13e, 12e ou 13e épisode, je sais plus à force de tourner des épisodes d'avance. Bref, pour un nouvel épisode, vous l'aurez compris, de mon let's play sur le jeu Resident Evil 2, le remake. Et donc lors de l'épisode précédent les amis, ben écoutez, on avait réussi à débloquer plein de salles une nouvelle fois. On avait réussi à récupérer le badge, enfin la clé USB, enfin le badge qui sert de clé USB, voilà tout simplement, en combinant le joyau du sceptre avec la boîte qu'on avait récupérée lors d'un épisode juste avant. Donc voilà, on avait combiné les deux et puis ça nous avait donné accès au badge, voilà, qui nous a servi de clé USB pour débloquer la salle où il y avait une nouvelle arme. Donc je vais vous la montrer là. Donc voilà, je vous avais laissé notamment au niveau de la prison. On avait récupéré, donc on était rentré ici dans la cellule, on avait récupéré le badge, on avait récupéré un enregistrement assez chelou, hein. On a entendu des trucs assez spécial, voilà. Donc voilà, on avait réussi, voilà, en mettant les composants et puis en résolvant un petit peu cette énigme, je vais dire ça entre guillemets, qu'il fallait faire pour passer le courant et donc libérer cet accès. Et donc ouais, la nouvelle arme qu'on avait récupérée, c'est celle-ci, le Lightning Hawk, voilà. Donc c'est un MAG, un mag. Donc voilà, ça nous fait une nouvelle arme en plus, des balles en plus, donc c'est plutôt cool, j'ai envie de dire, voilà. Pour vous résumer à peu près l'épisode précédent, mais attention, on a libéré les autres cellules et on avait vu qu'il y avait des zombies dedans, donc ça risque d'être encore plus le bordel. Mais on a réussi à récupérer le badge pour s'évader du parking, donc on va pouvoir s'échapper d'ici. Il était temps, les amis. Écoutez, j'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis prêt. Alors attendez, est-ce qu'on s'équiperait pas du coup de cette nouvelle arme? Voir ce que ça donne sur les ennemis, je sais pas. Pensez quoi? Ou on regarde le pistolet pour l'instant. Ou écoute, on va rester sur le pistolet pour l'instant. Allez, et Ça voilà. craint. Et voilà. Et voilà. C'était sûr. C'était sûr. C'était sûr. Ah tiens, déjà direct. Direct. Tiens, bouffe déjà, toi. Ok. Allez, venez les petits. Venez, venez. Oh putain, vous êtes. Oh putain, vous êtes. Pompe. Oh la vache, vous êtes beaucoup. Vous êtes beaucoup. Oh putain. J'arrive pas à viser. Tiens, bouffe. Bouffe, j'ai dit. Là, on n'a pas le choix, je pense, hein. On n'a pas le choix, les amis, là. Putain, mais arrêtez de bouger par contre. Putain, j'arrive. Mais arrêtez de bouger! Merde! Casse-toi! Oh, ils me prennent à deux! Non! Non, 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 non! Cassez-vous! Cassez-vous! Ok, barre-toi de là. Barre-toi. Mais j'aimerais bien fouiller avant les cellules. Mais bon, si c'est marqué en bleu, c'est qu'il n'y a rien. Donc on avance. Ça, c'est quoi ça? Ah, ok. Ça met nous ça. C'est pas vrai. Putain! Putain! Non! Pardon. Ah, mais. Oh fuck! Cours, 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 cours! Ah non, 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 pas toi, pas toi, pas toi! Laisse-moi tranquille, s'il te plaît! C'est par où? C'est pas par là! Vous êtes où, les toutous? Oh, il est là! Bonjour! Oh putain! Oh putain, c'est la merde, les amis! Oh, c'est qui? C'est Ada? Je pense que c'est Adarong. Oh! Yes, bien joué! Mais bon, je pense pas qu'il soit mort. Hein, quoique. On verra. Yes! Merci encore! Ça commence à bien faire. C'est la deuxième fois qu'elle nous sauve. Ah oui. Alors, comme ça, on compte les points? Écoute, ce n'est pas un jeu. Ouais, c'était sûr. Il est invincible, ce mec! Oh!
J'imagine que tu as la carte. Oui. Et ça. J'espérais que tu m'en dises plus là-dessus. Peut-être. Après l'avoir écouté. Fiche encore d'ici. Ah, ça fait quand même la deuxième fois qu'il nous sauve à Daong là. Wow. Alors attends. J'ai que dalle pour me soigner, j'ai plus de balles ici. Bon, il me reste quelques balles de ça. Ok. Va recharger. Et si on ouvrait la grille ? Oui, 2 minutes. J'en profite pour recharger mes armes là. Allez. On se casse. On se casse. Utilise. Parfait. C'est parfait. Attention. Que l'autre il se réveille pas. Oh yes. Yes, yes, yes. Ça c'est bien. Pas des choses ici. Ah. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé dehors, les amis. Ça faisait longtemps. Tu as ce que tu voulais ? Malheureusement, non. On dirait que Ben a échoué. Qu'est-ce que tu cherches exactement ? On va la suivre. Des infos au sujet des gens à l'origine de tout ça. Ah, attends, 2 minutes, on va se soigner quand même. Voilà. Toi, tu essaies de sauver le monde ? J'ai promis au lieutenant Brana de ramener de l'aide. Bonne chance pour en trouver. Pas des choses, non, c'est bleu donc. Donc y a rien. Y a un gun shop ici. Plus de route. Ouais. Je crois qu'on va devoir passer par cette armurerie. Ah bah oui. Il va y avoir des balles, des trucs. Ou des zombies aussi. C'est fermé. Oh mais elle est trop forte cette Ada. T'es trop forte. Pagaille. Oui. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un? Bah y a forcément des trucs à récupérer, c'est rouge. Oui, 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 oui. Oui, 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 on prend. Oh. Oh. Donc ça, je parie que on va pouvoir le combiner. Avec ouais, avec le pompe. Yes. Ah par contre ça prend 2 places. Ça c'est moins cool. Et d'ailleurs il va nous falloir une autre sacoche pour déverrouiller les 2 places qui restent dans l'inventaire. Je sais pas où est-ce que c'est. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Y'a quoi ici? Je sais pas. On va continuer à fouiller nous. On va continuer à fouiller. Yes, des balles et tout. C'est bien ça. Ça c'est parfait. Oh, c'est quoi ça? Message au propriétaire. Ah, succès, c'est quoi? Signé Jill. Oh, lire un message laissé par Jill. Ah. Alors, j'imagine que tu as tes raisons de rester. Ah mais Jill, c'est Jill Valentine. Oui, j'avais pas tilté. Bah Jill Valentine, voilà, petit spoil. Pour Resident Evil 3, si vous voulez pas être spoilé, bah avancez de quelques secondes. Jill Valentine, et bah ça va être l'héroïne de Resident Evil 3, le remake que je vous ferai dès qu'il sortira, bien sûr en let's play sur ma chaîne YouTube. Donc voilà Jill Valentine qui est vraiment, vraiment incroyable elle aussi comme à jouer comme héroïne. Donc j'imagine que tu as tes raisons de rester ici et je te fais confiance pour faire attention. Mais si jamais les choses ne se passent pas comme tu l'espères, tu sais où me trouver, je ferai tout ce que je peux pour t'aider, Jill Valentine. Ok. Ok, ok. Ah. Oh. Je veux pas vous faire de mal. T'es qui toi? Bouge pas. Je veux juste passer. Je vais vous demander de baisser cette arme. Et puis quoi encore? Tu vas te retourner et repartir gentiment d'où tu viens. What? Oh. Il y a une fille zombie. Il a besoin d'aide. Ah, c'est sa fille. Me dis pas
ce dont ma fille a besoin. On va te bouffer. Oh putain. Non, arrêtez. On va le bouffer. Tu vas te faire bouffer. Il faut la supprimer avant qu'elle ne se transforme. Bah je crois qu'elle est déjà transformée. C'est de ma fille qu'il s'agit. Wow. Ada. Laisse-les tranquilles. Oh bah laisse-les, il va se faire bouffer, ah. Tant pis pour lui. Ma puce, je t'ai dit de rester au lit. Ah mais c'est plus Emma là, je crois. Ah, ah si. Oui, c'est papa. Je suis là. D'accord. À se transformer. Ces saloperies dehors. C'est sûr que tu vas te faire bouffer toi. Regardez ce qu'ils nous ont fait. T'es un flic. Tu sais sûrement quelque chose. Alors, comment c'est arrivé ? Hein ? C'était notre petit ange. Ma peau. Maman fait dodo, ma puce. D'accord ? Et je vais bientôt être au lit aussi. D'accord ? Emma. Pauvre gamine. Putain, ça y est, maintenant j'ai envie de tous les buter là, ces zombies. Hein. Partez. Laissez-nous un peu seuls. Ok, ok, t'inquiète. Je t'ai juste pris quelques balles. Enfin, ça dérange pas. Écoute, me cacher la vérité, c'est une chose. Mais pourquoi lui ? Oh non. Je veux savoir ce qui se passe ici. Moi je crois qu'il a buté sa fille. Aider des gens comme eux. Voilà pourquoi je me suis engagé. Ma mission est de mettre un terme aux opérations d'Umbrella. Assure qu'on s'en sorte. Eh oui, on le rappelle, c'est Umbrella Corporation qui est derrière tout ça. Compte sur moi. Alors, du coup, ici on est bon. Monsieur, allez bien. Je crois qu'il s'est... Déjà, il commence un petit peu à perdre la voix à force de parler, de tourner des épisodes d'avance. Je pense qu'il a dû se buter avec sa fille aussi. Cette société pharmaceutique développe secrètement... On te suit, Ada. Ils ont un virus. Ils transforment les gens en monstres indestructibles. Ça explique toutes les horreurs que j'ai vues. Eh oui. Ça fait du bien un petit peu de sortir du commissariat. Bon, je sais pas si on y retournera un moment. On a laissé des trucs voilà derrière nous, mais bon. On sait que c'est tant pis. Umbrella qui a répandu le virus. Et je compte bien l'arrêter. Comme je vous ai dit, je l'avais fait ce jeu quand j'étais... Enfin, je l'ai pas terminé. Hein. J'étais gamin, je sais même plus... pour vous dire, je sais même plus jusqu'où je suis allé. Mais j'ai pas été loin quand j'ai joué étant gamin, de toute façon. Ok, vas-y, hop. Je crois même que je suis pas arrivé jusqu'ici, hein, ça c'est sûr. Je crois même que je suis pas sorti du commissariat à trouver Annette. Le lieu est approprié. Tu l'as dit. Après toi. Waouh. Merci. Derrière le RPD. Ok. Oh, on va aller dans des sortes d'égouts, je pense. Bah. J'aime pas trop l'idée. Mais s'il n'y a pas le choix, let's go. Ça pue, je vous le dis. Oui, en même temps on est dans des égouts, donc faut que ça ça pue. J'essaye de rigoler un peu, de me changer les idées, parce que je sais que ça va être le bordel là-dedans. J'arrive je le sens. Pas à croire qu'une scientifique se terre ici. D'après le QG, ça mène droit aux installations. Donc ok, Annette, c'est la scientifique. À ce que je sache, les égouts sont gérés par la ville. Ils ont des installations sans que les autorités soient au courant. Bienvenue dans l'Amérique des Affaires.
Umbrella contrôle Raccoon City depuis des années. Alors, jusqu'où ça va nous mener, ça? Tu peux pas sortir ta lampe torche, là? Parce qu'il fait un petit peu sombre, quand même. Continue. Oh, oh! C'est un tremblement de terre? J'aimerais tellement que ce soit ça. Oh, c'est quoi, ça? C'est quoi, ça? C'est Mister X qui a pété un truc, ou je sais pas, ou c'est autre chose encore. Putain. Oh, oh, oh! C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est Godzilla? C'est quoi? Oh mais non, mais stop! Déjà je me tape Mister X, il faut que je me tape un autre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Wow! Oh mais non, mais non, 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 je veux pas. Je veux pas. C'est quoi ça? On aurait dit Godzilla ou je sais pas. Faut aller où? Ah, par là. Ouais. Il y a des trucs. Oh, sauvegarde, ok. Bah écoutez, il reste encore un petit peu de... 5 minutes, je dirais à peu près. 5-10 minutes. On va encore un petit peu avancer. On a une malle. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait ranger dedans? Bah, pas grand-chose. Ça, la clé. Si on retourne dans le commissariat, ça nous servira. Donc, on va garder pour l'instant. Alors. Bonjour, Godzilla, t'es où? Elle est où, Ada? Tu viens, Ada? J'aime bien quand t'es avec moi. Moi, je me sens un petit peu en sécurité. Pourquoi nous laisse aller seul? J'ai peur. J'ai peur tout seul. C'est toi qui as fait du bruit? Oui. Bah, c'est où, Godzilla? Ici, j'ai pas envie de savoir. Oh là là, où est-ce qu'on va là? Elle est où cette scientifique là? J'aimerais bien essayer de la trouver puis m'arrêter. Encore Godzilla? Il est encore temps de faire demi-tour, Léon. Oui, je veux faire. Faudra me supporter jusqu'au bout. Mais non, mais moi je veux bien faire un demi-tour, je suis une tapette. Bon allez, fin du let's play. Ah oh, mais sérieux. Sérieux quoi, dans quoi je m'embarque? Par contre, qu'on tombe pas sur lui, parce que je vous le dis, je le fais pas le monstre. Hein. C'est bon, je... Ah, chargement. Ça pue, quand il y a des chats... Non mais... Il y a de l'eau et tout, mais c'est sûr qu'on va tomber dessus. On va tomber sur le monstre, c'est sûr. C'est sûr les amis. Qu'est-ce que je fais du coup? Je m'arrête là ou pas les amis? Parce que là, je sens que ça va être le bordel dedans. J'en suis sûr. Du coup, bah écoutez, ça fera un épisode plus court, mais on va retourner là-bas dans la salle où, dans la salle de sauvegarde. Et puis je vous reprendrai ici la prochaine fois les amis. Parce que là, bah du coup, je vais arrêter les épisodes d'avance. Hein. Donc on va retourner dans la salle. Ah là, j'ai pas envie de me taper si jamais il y a un gros monstre ou quoi. J'ai pas envie de... voilà quoi. De vous faire un épisode trop long quoi. Donc on va s'arrêter là les amis. Bon, on avait sauvegardé donc c'est bon. Hein. Écoute, on va refaire une petite sauvegarde histoire de... voilà. Histoire d'être bien. Et puis bah écoutez les amis, on va se laisser là du coup. Et bah j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça aurait été un épisode encore... assez intéressant. Je sais pas du tout ce qui m'attend dans les égouts là. Ça fait vraiment flipper là. Ah là là, sur quoi on va tomber encore là? J'ai clairement pas envie. Bref, bah écoutez, je sais pas quand est-ce que cet épisode sortira. Enfin, je pense que ça sera durant la semaine
durant la semaine de comment de reprise, de, enfin la rentrée quoi. Donc bah écoutez, j'espère que votre rentrée se sera bien passée, que votre reprise du boulot se sera bien passée également. Bah, bonnes vacances à tous ceux qui sont encore en vacances. Je ne sais pas si on a parmi vous. Et puis bah, n'hésitez pas, comme à chaque fois, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu si cet épisode vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et on se donne rendez-vous très vite, les amis, pour un nouvel épisode de ce Resident Evil 2 qui nous réserve encore beaucoup de surprises. Allez, ciao, ciao!